Bonjour et bienvenue pour cet unboxing du site dvdfr.com consacré au combo Blu-ray plus 2 DVD plus livret, édité par Rimini Éditions, du Bazaar de l'épouvante, adaptation de 1993 du roman Needful Things de Stephen King. Le Bazaar de l'épouvante est le 16e titre à profiter d'un traitement particulier de la part de Rimini Éditions, qui l'a inclus dans une collection de films fantastiques ou d'horreur des années 70 et 80, bien que le Bazaar de l'épouvante date du début des années 90, ce qui en fait le film le plus récent de la collection. Il est réalisé par Fraser C. Heston, le fils de Charlton Heston, et est interprété par Max von Sydow, Ed Harris, Bonnie Bedelia et Amanda Plummer. Bien que nous l'ayons intitulé « Collection Angoisse » sur notre site suite à la sortie de certains titres dans un coffret DVD qui arborait la même charte graphique, ces combos ne portent aucune mention d'une quelconque collection, mais ils répondent bien tous au même code, à savoir un boîtier Digipack 3 volets qui accueille un Blu-ray et un ou deux DVD, pour des films remasterisés accompagnés de bonus souvent inédits, parfois de versions alternatives des films, et d'un livret sur les origines et le tournage de chaque film, le tout glissé dans un fourreau. Avec ses 3 disques et sa version alternative, le Bazaar de l'épouvante qui sort ce 22 novembre 2021 était donc l'occasion parfaite pour voir de plus près cette collection. Chaque titre se présente donc tout d'abord via un fourreau en carton verni, à la charte graphique au ton vintage et impacté de sang. Toutes les informations habituelles sont présentes à l'arrière, même si dans le cas présent, certaines sont incomplètes ou erronées, mais nous reviendrons en détail sur ces petites erreurs un peu plus loin. Une fois sorti du fourreau, le Digipack déploie ses 3 volets, avec au dos une iconographie propre au film, ainsi que l'une de ses affiches originales. L'intérieur accueille le livret, les 2 DVD et le Blu-ray. Notez bien que la présence de 2 DVD n'est pas systématique et n'est proposée à ce jour que pour 2 titres, celui-ci et Le survivant d'un monde parallèle, qui ont tous deux profité d'un montage différent pour la télé américaine. Le livret qui compte 20 pages, et non 24 comme annoncé par le fourreau, est rédigé par Marc Toulec qui, compilant diverses sources, propose un récit de la jeunesse du film, accompagné de photos des acteurs et du tournage. On y apprend notamment que le film fut un échec au box-office et que la fameuse version au format mini-série pour la télévision a été initiée pour tenter de rentabiliser la production. Paradoxalement, c'est cette version de 3 heures qui a la préférence de Stephen King, qui la trouve plus proche de son roman, tandis que le réalisateur la trouve trop lourde et lui refuse le titre de Director's Cut. Si la possibilité lui avait été donnée, il aurait volontiers ajouté 20 minutes à son montage cinéma, mais pas 1 heure. Déjà disponible en HD aux États-Unis depuis 2015, c'est la première fois que le Bazaar de l'épouvante est proposé en Blu-ray en France. Le disque HD accueille le film dans sa version cinéma remasterisée de 120 minutes, encodée en AVC 1080p, dont vous pouvez admirer quelques images dans cette vidéo. Rimini Éditions profite en fait de l'édition 3 disques allemande sortie fin 2020 avec un master qui reste visiblement celui de 2015 justement, celui de l'édition Kino Lorber, à partir d'une source d'assez bonne qualité, mais on ne peut pas vraiment parler de restauration face aux poussières et autres défauts de pellicule qui subsistent ici et là, sans parler d'un contraste assez faible. Mais pour les amateurs du film qui n'avaient que du DVD à se mettre sous la dent depuis 2002, ce Blu-ray est une aubaine et apporte du détail à une image dont le grain a été préservé dans l'ensemble, même si l'on détecte ici et là, surtout sur les grandes diagonales d'images, une réduction de bruit trop prononcée. Sur le même disque se trouve un bonus de taille, la version longue de 3 heures, qui est en réalité le remontage sous forme de mini-série en 2 parties de 90 minutes pour la télévision américaine. Si la durée globale est plus longue d'1 heure, certaines scènes de violence ou de grossièreté sont écourtées. De même, certains plans sont censurés ou modifiés pour l'audience TV, comme par exemple les PV que Netty distribue avec des messages personnalisés bien plus chastes dans la version TV. Mais cette version est aussi l'occasion de faire connaissance avec plus d'habitants de la petite ville de Castle Rock et leur déboire avec le personnage interprété par Max von Sydow. Le début du film est également très différent, avec une course-poursuite en voiture qui ajoute un certain mystère, mais dévoile aussi plutôt le côté surnaturel du personnage de von Sydow. Le cadrage est évidemment différent, puisque les téléviseurs de l'époque n'étaient pas encore largement 16/9, et donc le négatif n'a pas été utilisé de la même manière, avec un cadre bien plus haut et un poil plus serré en largeur pour la version TV, comme vous pouvez le voir sur cette comparaison. Rimini s'excuse en ouverture du Blu-ray de la qualité de cette version, qui est parfois abîmée et encodée ici en MP2, mais les amateurs et autres collectionneurs seront ravis de posséder cette version du film totalement inédite en France. Les propositions sonores sont riches pour cette édition, plus riches même que celles indiquées par le fourreau. En effet, la version française et la version originale sous-titrée profitent toutes les deux d'une piste DTS HD Master Audio 5.1 et stéréo d'origine pour la version cinéma. La version TV, quant à elle, est proposée en VOST Dolby Digital Dual Mono. Les DVD sont presque logés à la même enseigne avec du 5.1 et la stéréo d'origine pour la VF et la VO, mais cette fois en Dolby Digital. Le DVD de la version TV ne change rien, avec une VOST en dual mono. Le mixage 5.1 n'était pas proposé par Kino Lorber en 2015, ni par l'édition allemande de 2020, et il faut bien admettre que cette initiative de Rimini Éditions est la bienvenue car elle ajoute une ouverture tout à fait pertinente et efficace à la bande-son du film, qui s'ouvre sur la fabuleuse musique de Patrick Doyle. Que ce soit en 5.1 ou en 2.0, la VF reste cependant en deçà de la VOST avec un resserrement vers le centre de la scène sonore et des rendus de dialogue bien moins naturels, comme par exemple le dialogue entre le shérif et le prêtre dans l'église, dont la réverbération naturelle de la VOST disparaît en VF. Outre la version TV de 3 heures, la partie bonus est complétée par un commentaire audio, sur la version cinéma uniquement, du réalisateur, en compagnie de Walter Olsen, président du label Scorpion Releasing, enregistré pour l'édition américaine de 2015, qui délivre son lot habituel d'anecdotes et de précisions techniques sur le tournage. En l'absence d'un véritable making-of, même rétrospectif, ce commentaire audio sous-titré est une mine d'informations sur le film. On retrouve ce commentaire audio sur le DVD du film en version cinéma. Absolument pas mentionné par le fourreau, le Blu-ray et le DVD du film en version cinéma proposent également une featurette d'époque sur le tournage du film avec un peu plus de 5 minutes d'interview et de plans sur les effets spéciaux, ainsi que la bande-annonce d'époque en VF et en VOST. Le Bazaar de l'épouvante en combo Blu-ray plus 2 DVD plus livret est donc disponible ce 22 novembre 2021 chez Rimini Éditions au prix conseillé de 24,99 €. Le prochain titre de la collection sera Terreur sur la ville, The Town That Dreaded Sundown, de 1976, signé Charles B. Pierce. Merci d'avoir suivi cette présentation, à bientôt pour un nouvel unboxing et d'ici là, n'oubliez pas de visiter dvdfr.com.